gouvernement, les populations, et dire non à la guerre, au génocide, à l'oppression, contre toutes ces politiques qui n'apportent que la destruction de paysans entiers, de régions, d'états, de nations. Il faut une réponse ferme, un soulèvement des populations, et dire non, non, non à la guerre, au génocide, à l'oppression. Contre tous ces lobbies et corporations qui sèment la confusion à grands coups de propagande et de bâtons, de la mauvaise information à foison, fabriquée derrière la scène de la distraction à profusion, qui cache la réalité par un voile de mensonges et de poison. Il faut se lever et crier non, 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 non à l'aveuglement, à l'hypocrisie et à la dépopulation. Et toutes ces élites qui créent la désolation sur la terre et dans les têtes, sur la forme et dans le fond. Manipulation de l'opinion, pédocriminalité, satanisation. Ces sociopathes doivent être arrêtés, jugés comme prédateurs de l'humanité, pour de vrai, pour de bon. Non, 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 ils ne peuvent pas rester en liberté. Ces dirigeants menteurs, voleurs, violeurs, tous en prison. Tous en prison, sans exception. Insurrection, insurrection, désobéissance civile, c'est la solution. Non à la fin de l'état de droit, non à l'état d'urgence dans les constitutions. Insurrection, insurrection, désobéissance civile, c'est la solution. Non à la fin de l'état de droit, non à l'état d'urgence dans les constitutions. L'esclavage mental et matériel oblige la résistance à pratiquer le sabotage contre le gouvernemental et son hypocrisie démentielle. Et oui, celui qui gouverne ment, il contrôle l'esprit, les mouvements des citoyens, des gens, mais pas de celui qui se nourrit de nature, d'air et d'eau pure, de bons fruits, qui dénonce les bandits toutes les nuits sans répit et toute la journée sans s'arrêter, jour et nuit debout avec ou sans jaune gilet. Contre toutes ces politiques qui n'apportent que la destruction de paysans entiers, de régions, d'états, de nations, il faut une action claire, un rassemblement des populations pour dire non, non, non à la guerre, au génocide, à l'oppression. Contre toutes ces politiques qui n'apportent que la destruction de paysans entiers, de régions, d'états, de nations, il faut une réponse ferme, un soulèvement des populations et dire non, non, non à la guerre, au génocide, à l'oppression. Non, non, non à la répression. Insurrection, insurrection, désobéissance civile, c'est la solution. Non à la fin de l'état de droit, non à l'état d'urgence dans les constitutions. Insurrection, insurrection, désobéissance civile, c'est la solution. Non à la fin de l'état de droit, non à l'état d'urgence dans les constitutions. Car y'en a marre de sentir toutes ces souffrances dehors et dedans. Oui, y'en a marre de voir toutes ces violences, il faut les arrêter maintenant. Les violences policières, les violences gouvernementales, il faut les arrêter maintenant. Les violences pédocriminelles, les violences conjugales contre les enfants, il faut les arrêter maintenant. Alors non, 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 stoppons ces occultes manipulations. Non, 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 non au nouvel ordre mondial et ses abominations. Oui, nous disons non, non, non. Nous devons stopper ces occultes manipulations qui sacrifient nos vies et détruisent nos civilisations au profit du nouvel ordre mondial et ses abominations. Nous nous levons et on dit non, non, non. Stoppons ces occultes manipulations qui sacrifient nos vies, détruisent nos civilisations au profit du nouvel ordre mondial, du One World Order, du gouvernement mondial et ses abominations. Nous nous levons et on dit non, non, non. Nous disons non à Babylon System. Nous ne voulons pas de ce saleté de problème. On ne veut pas se faire tout le temps enfermer alors qu'on dit juste la vérité sur la réalité.